Bonjour les amis, je viens de recevoir un SMS de Benjamin qui me demande de le retrouver sur la route du Testanier dans l'Estérel parce qu'il avait quelque chose à me montrer, enfin je sais pas, il avait besoin d'un coup de main. Enfin j'ai pas trop bien compris son message qui est un peu alambiqué, donc là j'y vais. Bonjour Benjamin. Bonjour Dominique. Pourquoi cette invitation bizarre? Non, c'est pas une invitation bizarre, j'ai en fait un peu de bazar à décharger. Ouais, c'est juste à côté là. Ah, il n'y a pas grand chose. Ah, il y a quand même un petit peu. Tu vois, il y a du bazar et puis il y a ça aussi. Ça, oh. Je sais pas ce que c'est. Voilà. Génial. Donc, on va pouvoir faire un tour là. On va pouvoir faire un tour. Alors. Mais rapide. C'est un tour rapide, effectivement. Ouais. C'est une moto presse. C'est une moto qui n'est pas destinée à rouler puisqu'elle n'est pas commercialisée. Pour la faire vite, en fait, elle va sur le salon qui est à Nice le week-end prochain. Ah, d'accord, ok. Bah, on sera présents tous. Elle va être exposée. Et je me suis dit, avec l'accord de la CIMA, bien sûr, que ça serait peut-être sympa de te faire faire un petit tour avec. Je ne l'ai pas essayé encore. C'est vrai? Non. De te faire faire un petit tour avec et d'avoir tes premières impressions, monsieur. Oh, génial. Himalayan. Ah bah ouais, c'est super. Voilà, quelle délicate attention. Avant un essai, bien sûr. Plus ah long bah bien sûr, tout. Là, ça sera juste et une petite prise de contact. Une prise de contact à chaud et voilà, je voulais te faire ce privilège. Oh bah merci, merci beaucoup Benjamin. Puis merci aussi à la CIMA. Alors comment elle me sied cette photo? Elle se va plutôt pas mal. Hein. Ah ouais. Ah sympa. Hein. On y va? On fait un tour là vite fait? Ouais, je te suis et... Ok, tu me suis avec la mienne? C'est parti. Ok, génial. Alors, je la pose là pour l'instant. Alors ça se démarre où là? Ah, c'est comme ça. Ah oui, d'accord. Et ouais, 450 Himalayan. Fallait bien que ça arrive un jour quand même. Allez, je te suis. Ouais, tu vas essayer de me suivre. Ouais. À chaud, c'est la suite logique en fait de la 411. Là, ouais. C'est vraiment l'évolution, plus de couple évidemment encore, plus de la puissance on la sent, mais alors c'est instantané. Et puis la partie cycle, là on a quand même fait une petite route. Je connais absolument pas cette moto. Ouais, t'étais à Sassouli, t'avais vraiment à l'aise dès le départ. Très à l'aise sur la machine, mais vraiment très très à l'aise sur la moto. D'ailleurs, faut raison garder, hein, parce que ouais. On aurait tendance à. Oui, en sachant que. Bon. Laisser, parce qu'il y a quand même, il y a un peu de watts et tout, ça change quand même de la 411. Hein, c'est plus la même histoire. Hein. Non, très bien. Oh là 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 là. Ouais. Je suis bluffé. Bon, ben c'est génial. Ah ouais, vraiment super, super machine. La suite alors sur un essai évidemment plus beaucoup on fera plus long. Un très bel essai avec des belles images dans des conditions vraiment différentes et avec un tas de choses. Et, ouais. On est impatient de pouvoir réaliser cet essai. Ah ouais. Ah bah oui. Ah c'est super. En tout cas merci de m'avoir permis de faire ce petit essai rapide mais tellement fructueux parce que là j'ai emmagasiné plein de choses. C'est vraiment intéressant. Et plein d'émotions et ça se voit. Ouais. Allez, super.
pour que la fête soit totale, sachez que du 26 au 27 avril, chez certains concessionnaires, la 450 Royal Enfield sera à l'essai. Donc inscrivez-vous. Hein. Et puis pour d'autres concessionnaires, d'autres régions de France, ça sera entre le 3 et le 5 mai. Donc du vendredi au dimanche 5 mai. Pour essayer la 450 et d'autres modèles de la marque. Donc amusez-vous bien, profitez bien et puis régalez-vous avec la 450 Himalayan. C'est un bonheur cette machine.